له يركب. فإن رمى سهما أو غيره فقتل الصيد بثقله لم يحل. إذا ضرب السهم بعرضه ضرب الصيد بعرضه ليس بحده، ليس من المكان الذي هو يثقب يشرح، فمات الصيد بهذا لا يؤكل. Alors il a dit que par exemple l'animal qu'on n'arrive pas à l'égorger c'est par le fait de le blesser comme par une flèche par exemple, par une lance. Mais supposons on a tiré par une flèche sur l'animal et la flèche l'a tué en la tapant par au milieu. Il ne l'a pas blessé mais par la force de la flèche qui a tapé au milieu. Il ne l'a pas blessé mais il l'a tué par la force de la lance et qu'il a tapé par le bar de la lance. Et l'animal est mort, alors ce n'est pas licite à la consommation. Et فَقَتَلَهُ بِعَرْضِهِ أَصَابَ السَّهْمُ لَيْسَ مِنَ الْمَكَانِ الْمُحَدَّدِ إِنَّمَا بِعَرْضِهِ فَمَا جَرَحَ الْحَيَوَانِ وَلَكِنْ قَتَلَهُ بِثِقَلِهِ بِقُوَّةِ الدَّفْعِ لَا يُكَلْ. يعني بالشوك. Oui, بالثقل. أما هو لابد أن يجرح. وَبِصَيْدِهِ بِكُلِّ جَارِحَةٍ مُعَلَّمَةٍ مِنَ السِّبَاعِ كالفهد والكلب. ومثلا كيف يكون ايضا الصيد التذكية اذا اصبت كلبا معلما، فهد او كلب معلم، ما هو المعلم الذي يصطاد لك؟ دربته انه يصطاد لك انت، وعندما ترسله تقول بسم الله لما ترى الصيد ترسل الكلب او الفهد اليه وتسمي الله، فاذا هو مسكه. قد يعني يموت هذا الصيد وقد لا يموت، فإن مات فقد حل. فإن مات بهذا الكلب المعلم وجدته ميتا فهو حلال، إن وجدته حيا لا بد من ذبحه. Alors si tu as dressé un chien ou un léopard, الفهد c'est léopard. Oui. Et puis tu dis bismillah lorsque tu l'envoies. Puma. Puma الفهد. يعني ولا يقول c'est-à-dire qu'il soit celui-là ou l'autre, il est dressé, c'est-à-dire il tue pour son maître et il tue pas pour lui. Il tue pour son maître et c'est pas pour lui. Du fait qu'il le tue, il mange rien, il mange après de ce que tu lui donnes toi à part. Alors tu es trouvé déjà mort. Alors c'est halal, c'est une chasse. Uday ibn Hatim parmi les Sahaba qui ont passé l'islam, qui faisait la chasse, et il a posé la question au prophète alayhi salam. Le prophète lui a indiqué cela. Mais si tu le trouves vivant, le gibier, le gazelle, le lièvre, tu le trouves vivant, il faut l'égorger. Si tu dis oui, j'ai oublié le couteau à la maison et il est mort par la suite, ce n'est pas halal. Parce que c'est une négligence de ta part. Tu as pu égorger et tu n'as pas égorgé. ومن جوارح الطير كصقر وباز في أي موضع كان جرح السباع والطير. هلا الطير أيضا يعلم. On a le faucon, ce qui est pareil à ça. Si tu le dresses et il tue pour toi, tu le dresses à tuer pour toi. Et encore, si tu as trouvé le pigeon, telle sorte de canard qui est toujours vivant, tu dois l'égorger. Si tu le trouves mort, il est licite à la consommation. في أي موضع جرح، لأن هذا الكلب والفهد والطير يعني يصطاد لك في أي موضع جرح. Dans n'importe quelle place qu'il a blessé, griffé, voilà. Tu la trouves mort, tu peux le consommer. وشرائط تعليمها أي الجوارح أربعة. أحدها أن تكون الجارحة معلمة بحيث إذا أرسلت أي أرسلها صاحبها استرسلت. والثاني أنها إذا زجرت أي زجر صاحبها زجرت. Et donc, il y a des pour dire qu'il est un chien dressé, un léopard dressé, que si cet animal, son maître, il le fait bouger, il l'ordonne d'aller attaquer le gibier, il part, il va. Et s'il lui dit d'arrêter, il s'arrête. C'est un des علامات nous l'avons appelé معلم. يكون إذا أرسل استرسل ذهب وإذا زجر انزجر توقف. والثالث أنها إذا قتلت صيدا لم تأكل منه شيئا. Troisièmement, que
ces animaux dressés, ces, voilà, ils ne mangent pas de ce qu'ils ont tué, de ce qu'ils ont chassé pour toi. وهذا يعلم بعدما إيش تدربه أنت مرة أولى مرة ثانية المرة الثالثة لم يأكل إذا عرفنا أنه إيش صار معلم. Comment on peut savoir qu'il est dressé maintenant? La première fois il a tué, il n'a pas mangé. Tu vas pas manger dès la première fois. La deuxième fois encore, il a chassé, et voilà, et il a tué l'animal. Tu n'as pas pu l'égorger, ça veut dire. Pas pu le manger, tu ne manges pas. La troisième fois, il a attaqué et il n'a pas mangé, alors on sait qu'il est maintenant dressé. الرابع أن تتكرر الشرائع من الجارحة بحيث يظن تأدبها. On a dit que ça se répète, le fait que je lui ordonne d'aller, il part, je lui ordonne d'arrêter, il s'arrête, le fait qu'il ne mange pas de l'animal qu'il a chassé, qu'il le fait plusieurs fois d'une manière qu'on sait qu'il est maintenant dressé. Alors, on dit maintenant, moi j'ai dit que certains ont dit trois fois, certains ont dit après trois fois, et encore certains ont dit que ça revient à, aux gens d'experts selon les natures de ces animaux. Donc, كيف نقول تكرار من ثلاث مرات قال أن بعضهم قال يرجع في هذا لأهل الخبرة أهل الخبرة في هذا الميدان يقول هذا صار مدربا صار معلما فإن عدمت منها إحدى الشرائط لم يحل ما أخذته الجارحة إلا يدرك حيا فيذكر فيحل عند إذن si un de ces quatre conditions n'a pas eu lieu alors s'il a tué le chien ou le léopard a tué on ne mange pas parce qu'il n'a pas rempli les conditions qu'on vient de citer sauf s'il a attaqué et on loue, on l'a trouvé vivant, on l'a égorgé. وإذا أرسل الكلب المعلم ونحوه من هو من أهل الذكاء فقتل الصيد بظفره أو نابه أو تركه ولم تبقى فيه حياة مستقرة أو بقي فيه حياة مستقرة إلا أنه لم يبقى من الزمان ما يمكن ذبحه فيه حتى ما تحلى يعني إذا أرسل الحيوان قتل هذا الحيوان بنابه بخفره وجدته ميتا جئته وجدته ينازع حلى أما وجدته في حياة مستقرة يمكن ذبحه ولم تذبحه حتى مات لا يحيى alors dans le cas où tu as envoyé ton chien ton léopard pour le faucon pour tuer tel gibier. Alors, il a tué par son bec, par ses canines, par ses griffes. Et tu es venu, tu l'as trouvé mort, tu peux manger. Tu l'as trouvé en train de mourir, tu peux le manger. Tu l'as trouvé vivant, tu peux l'égorger, tu n'as pas égorgé, alors ce n'est pas ici. Tu n'as pas égorgé jusqu'à la mort, tu ne peux pas manger. Adaïza Salahu. Muslimon au Kitabi, dans le cas où un parmi les musulmans ou un parmi les gens de livre qui a envoyé le chien dressé, le léopard. Ou un arsala ou majusiyon, ou sharaka al-muslima fi al-arsali, ou sharaka al-jarihata, jarihata un arsala majusiyon, faqat al-sayd lam yahil. Si c'est un bouddhiste, un mage, yani en dehors des musulmans et des gens de livre, a envoyé son chien et qu'il a tué le gibier, on ne mange pas. هذا بالأصل لو ذبح لا يؤكل فإذا إذا أرسل كلبا معلم أيضا لا يؤكل هذا المجوسي أو البوذي أو الملحد إلا المسلم على الكتاب parce que comme j'ai dit le bouddhiste ou le mage ou la pièce les gorges on ne peut pas manger alors s'il a envoyé son chien que lui il l'a dressé on ne mange pas non plus même si son chien a participé avec notre chien pour tuer on ne peut pas manger لو كاد كلب المجوس شارك الكلب المعلم بالمسلم فقتلاه معا قتل الصيد معا لا يؤكل وإن قتلت الجارحة الصيد بثقلها ففيه قولا يعني كأنه أقعدت فوقه قعدت فوقه فحتى قتلته بثقلها هل يؤكل فيه قولا لو شيان غيسي لو ليوبار إلى اكتبه تسوي de l'animal jusqu'il a tué par son poids.
il a tué par son poids. Est-ce qu'on peut le manger deux années? Parce qu'on revient, on dit que c'est un chien dressé. Allah, c'est un mu'allam. Quand elle a oublié le pas, il est comme ça. وإن كانت الجارحة كلبا غسل موضع الظفر والنام من الصيد وقيل يرفع عنهما نحن نقول الكلب نجس selon l'imam Shafi'i le chien est impur alors il a tué par les canines il a tué par ses griffes la place où les canines ont rentré les griffes ont rentré on lave ces endroits et d'autres ont dit c'est toléré بعضهم قال لا بد من غسله وبعضهم قال يرفع وإن رمى طيرا فأصابه السهم فوقع في ماء أو على جبل فتردى منه فمات لم يحل إلا إن كان وقع السهم في لبته فنحره أو في كبده فأبان حشوته نحو ذلك يعني إذا عرفنا أنه مات من السهم si on a donné le tiré par une flèche vers un oiseau alors il est tombé dans l'eau ou il est tombé sur une colline, puis après il est tombé en bas. On ne mange pas parce qu'il risque de tomber, de mourir par l'eau noyée ou par le fait de tomber du haut en bas, motaladdiya. Alors on ne peut pas manger, sauf si la flèche l'a égorgé. C'est-à-dire on sait qu'il est mort par la flèche, pas par le fait d'être noyé, parce qu'il l'a égorgé. Ou il est rentré dans son foie à l'intérieur, il a fait sortir son intérieur, son estomac, c'est-à-dire on sait qu'il est mort par la flèche. وإن صام صيدا فجرحه جرحا ثم لم يقتله ثم غاب عنه وجده ميتا حل في أحد القولين وإلا يحل في الآخر. S'il a tiré vers un gibier, alors il l'a blessé. Il l'a retrouvé aujourd'hui, après il l'a trouvé mort. Il l'a trouvé mort après. Il y a un ami qui dit que c'est halal, il peut le manger, et un autre que c'est pas halal. وإن أرسل سهما أو كلبا على صيد فقتل غيره حل. S'il a envoyé son chien ou il a envoyé une flèche vers un gibier, alors la flèche il a tué un autre. Et le chien, encore, il a tué un autre. C'est licite, on peut le manger. Il l'a envoyé pour chasser. C'est-à-dire, lui, il a tiré la flèche pour atteindre un cible. Ce n'est pas pour une chasse, ce n'est pas pour chasser. Mais il a tué un animal. Il a tué un animal. Alors il a dit que ça, c'est pas halal. وقيل يحل في السهم دون الكلب. Il y a un autre ami qui dit oui, mais pour le gibier, pour la flèche, même si lui il tirait pour atteindre un cible et il a toucher un animal et qu'il est mort par ça, que c'est halal, mais pas le chien. Le chien, il l'a envoyé pour quelque chose et le chien tout seul a tué un gibier, que dans ce cas, c'est pas halal, mais dans la flèche, c'est halal. وَأَضَمَ شَيْئًا بِحَسَبُ حَجَرًا فَكَانَ صَيْدًا فَقَتَلَهُ حَلَّ أَكْلُهُ. Il a tiré vers quelque chose qu'il pensait que c'est une pierre, et puis après il s'est rendu compte que c'est un oiseau, c'est un lièvre, alors il est licite à la consommation. S'il a envoyé vers celui-là qu'il pensait que c'est une pierre, il a envoyé un chien, et puis il s'est rendu compte que c'est un gibier, il y a deux avis. وإن نصر سكينا فوقع به صيد فجرحه فمات لم يحل. Il a fait comme une piège. Il a laissé dans le piège un couteau. Et le gibier est tombé sur le couteau et il est mort. Ce n'est pas halal parce que c'est comme il est mort tout seul. هذا مثل القطع في الماكينة.
Hein, c'est comme les poulets qui se tuent dans la machine. Même malgré qu'ils sont, on coupe la gorge, mais c'est tout seul. Sauf le premier poulet, que lorsque tu mets le bouton, et la machine commence à fonctionner. Le premier, il est halal parce qu'il a commencé à bouger par ton geste. Et le reste, c'est tout seul. Oui, mais ça, tu peux tirer un bon, si tu peux, pour les fusils, la majorité en dit c'est pas halal. Al-Zazur, wa al-Hotel, l'Ijjal Mahmaba, Fabi, Bidrobi, Bondok al-Rassas, عند أغلب العلماء هذا لا يحل لأن هذا لا يقتل حتى يقتل بدفعه وبعض العلماء المتأخرين من الحنفية والمالكية وعند الإمام الأوزاعي والمتأخرين من بعض علماء المالكية والحنفية قالوا وكل ما بمنطق الرصاص الصيدة جواز أكله قد استفيد أنه يجوز أكله ولكن يقول بسم الله فلو قتل 20-50 بضرب واحد عندهم يحل. Alors, selon ces imams, s'il a tiré en disant Bismillah pour tous ces oiseaux, et il a tiré, il a fait tuer 40, 20, 50, que selon eux, c'est halal. وَمَنْ أَهَدَ صَيْضًا أَوْ أَزَالَ اِمْتِنَاعَهُ مَلَكَهُ قَبَضَ عَلَى صَيْضٍ Il a attrapé un oiseau, alors c'est à lui, même s'il il a fui par la suite. Voilà où هذا الصيد هرب بعد ذلك منه. هذا الصيد ملكه هو ملكه ثم نقول إن فلت منه هرب فهو ملكه إذا أخذه إنسان يعيده له. ومن ملك الصيد ثم أرسله لم يزل ملكه عنه في صح وجه. Quelqu'un qui a pris un gibier puis après il l'a laissé. Lui-même il l'a laissé. Alors il y a deux avis. Est-ce qu'il est toujours à lui et où il n'est plus à lui, il y a deux avis. بس مسألة على هامش البحث لو واحد مثلا عنده عصافير ثم أحرم بالحج هذه العصافير لا بد إيش أن تطلق لأن الحاج ليس له إيش الاصطياد وهذه العصافير تؤكل فإذا أحرم بالحج لا بد إيش أن يرسلها بعض الناس عندهم عصافير ولا ينتبهون لهذا الحكم يعني des gens qui ont des oiseaux et que lui il ne fait pas attention, il fait le ihram pour le hajj et il a toujours ses oiseaux. Alors une fois qu'il rentre dans le ihram, il faut libérer ses oiseaux parce que lui n'a pas le droit de faire la chasse par le fait de tuer ou attraper. Alors ils sont déjà attrapés chez lui, il faut les libérer. Ah oui, disait que lors du hajj, bi'atihum la akhuh, bi'atihum la ibnu, bi'atihum la zawjtu qabla an yuhrim. Avant d'aller au Hajj, s'il a ses oiseaux, il donne à son épouse, il donne à son frère ses oiseaux. وتحصل التذكية في المقدور على ذبحه ولو كان وحشيا بالقطع المحض للحلقوم وهو مجرى النفس دخولا وخروجا وللمليء وهو مجرى الطعام والشراب من الحلق إلى المعدة. Alors comment on égorge selon l'imam Shafi'i? Il faut couper, comme on dit, le traché et l'œsophage. On dit là où ça passe l'air, là où ça passe la nourriture et l'eau. Ces deux choses-là, il faut les couper. Ces deux choses, il faut les couper. Al-mari wa majra al-ta'am wa al-hulqum wa majra al-nafas. L'audage, les deux veines, comment ils s'appellent, l'escarba, les deux veines qui sont à côté? Les jugulaires. Les jugulaires. Certains savants ont dit qu'il faut qu'on coupe les jugulaires. Shafi'i yaqul sunna, qat'u hajahadani, fil'ada wa yuqta, walakin ya'ni, inda shafi'i sunna. Wa yakunu qat'u ma dhukira daf'ata al-wahida la tadfa'at fi daf'atayn, fa'innahu yahrum madmuhina idhin illa tujad al-hayat mustaqirra 'inda daf'a thaniya. بأن قطع جزءا من الحلقوم والمريء ثم رفع يده وانتظر حتى زالت الحياة المستقرة فأعاد السكين فأكمل القطع فإنه لا يحل المذبوح بخلاف ما إذا وجدت الحياة المستقرة عند الدفعة الثانية فحل يده. Il faut égorger d'un coup. Il faut
faut qu'on coupe le trachée et les ovages d'un coup. D'une manière que s'il a coupé une partie, et puis après il a levé le couteau et que l'animal est mort, et par la suite il a complété, ça c'est pas halal. Mais bon, s'il a égorgé, il a pensé qu'il a bien fait, il a regardé et il a vu que c'est pas bien fait. Et il est toujours vivant, l'animal n'est pas encore mort. Alors il a continué, alors c'est halal. Parce qu'il a continué et l'animal il est toujours vivant. فلو عاد السكينة فورا بعد رفعها وسقطت منه فأخذ غيرها حالا وقطع بها ما بقي حل المذبوح لأن هاتين المرتين مع عدم طول الفصل كالمرة الواحدة. Dans le cas, il a coupé, il a levé la main et puis après il a remis ou le couteau est tombé, vite fait il a pris un autre par exemple. C'est comme une seule fois et l'animal est toujours vivant, tu vois, alors c'est halal. ومتى بقي شيء من الحرقوم والمني لم يقطع لم يحل المذبوح. C'est ce qu'on a été une fois avec Kaaba dans un abattoir et on a trouvé deux trois moutons qu'on n'a pas bien coupé l'artère, les artères et les ovages. Il y avait un peu coupé mais pas totalement. Et on a dit sur 45 il y a trois qui sont pas bien égorgés. Alors cette viande après elle va être mélangée. Alors on dit que c'est pas halal parce que c'est mélangé, ce qui est égorgé avec ce qui n'est pas égorgé. Ça c'était pas dans un abattoir musulman, ça c'est dans un abattoir qu'on vend pour la migros et la coque. C'est pour cela que je vous ai dit que eux, ils s'étourdissent avec l'électricité par exemple, mais des fois ils coupent bien, des fois non. C'est pour cela que c'est de la viande douteuse qu'on ne peut pas manger. فإن أراد الأكمل في تذكيته زاد على قطع ما ذكر قطع الودجين وهما عقان في صحتي العنق محيطان بالحلقوم ولا يسن قطع ما وراء الودجين. Alors on a dit les jugulaires, c'est sonna de les couper, ça aide bien à évacuer le sang. ويستحب أن يوجه الذبيحة إلى القبلة ويسمي الله ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. C'est sonna de mettre la bête vers la Qibla, de dire Bismillah, c'est sunnah, selon d'autres imams, c'est une condition de dire Bismillah, comme l'a dit Abu Hanifa et Malik, et qu'il fait salat à la Nabi, alayhi salat wa salam. Wa yanhar al-ibl ma'koulatan min qiyam, yani le chameau, on attache un pied, yani, manière il attache un pied puis après il égorge pendant que le chameau il est debout, il fait rentrer le couteau à l'intérieur du cou et il sort dehors. Ça s'appelle nahr, hein? Ça s'appelle un nahr. وأما البقر والغنم والضجع ذبحا. Alors tandis que les moutons et les bovins, en les mettant sur le sol et il les égorge. Yani, voilà. L'autre est debout, celle-là, on la laisse passer soit sur la terre ou sur une table. Alors, il ne casse pas le cou de ses moutons, de ses veaux, et il n'enlève pas la peau avant qu'elle refroidisse. Il la laisse. هذا وزكاة الجنين حاصلة بزكاة أمه فلا يحتاج لتذكيته هذا إن وجد ميتا أو فيه حياة مستقرة. اللهم إلا أن يوجد حيا بحياة مستقرة بعد خروج بطن أمه فيزكى. Si les gorges, la brebis trouve un petit qui est mort, alors le fait d'égorger la mère, le petit il est licite. Mais si on le trouve vivant, toujours vivant après qu'il est sorti dehors et il est vivant, il faut l'égorger. Mais s'il est mort, alors le fait d'égorger sa mère, lui-même, il est halal à la consommation. Rawa Ahmad ibn Hibban sahahahu min hadith Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakatul janin zakatul ummi. Alors l'imam Ahmad a rapporté le hadith Abi Sa'id al-Khudri que si on a égorgé la mère, le petit qui est
dans le ventre et dissipe avec la mère. Wallahu a'lam.